Monsieur Renaud Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos locaux en plein cœur du Palais des Congrès. Selon vous, quel est l'environnement concurrentiel de la destination Paris-Île-de-France en matière de tourisme d'affaires? Alors d'abord, Viparis concentre 10 des principaux sites de congrès exposition en Île-de-France. Et on accueille chaque année plus de 300 salons, 150 congrès et 500 événements d'entreprise. On est la première destination mondiale dans ce segment d'activité. Alors quels sont les atouts justement de... D'abord, le premier atout, c'est Paris. Le nom de Paris fait venir. Sur beaucoup d'événements, les organisateurs d'événements ont tendance à nous dire que lorsqu'ils organisent un événement à Paris, il accueillera entre 20 et 30% de visiteurs supplémentaires. Parce que la destination est attractive, on aime y venir, on aime y revenir. Voilà, c'est la force de Paris. Mais malgré tout, beaucoup de concurrence, notamment en Europe. Quand on est leader, de façon générale, ça veut dire qu'il y a des challengers. Et un challenger, il ne pense qu'à une chose, c'est prendre la place du leader. Donc il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut, un, conserver ce que nous avons, ce qui n'est déjà pas évident. Et deux, essayer d'en acquérir d'autres pour faire croître la destination francilienne dans ces segments. Alors, quel est le bilan d'affaires de l'année 2012 pour Viparis? Bon, d'abord, 2012 est une belle année, parce que les années paires sont toujours des belles années en France, et notamment à Paris. Donc 2012 doit se comparer, non pas par rapport à 2011, mais par rapport à 2010. En plus, 2012, c'est une conjonction planète, puisque nous avons également eu un salon triennal qui s'est tenu en 2012, qui donc n'était pas tenu en 2010. Enfin, le troisième point, nous avons accueilli plus de congrès en 2012 que nous n'avions accueilli les années passées. Donc globalement, 2012, belle année. Pour Paris, pour Viparis de façon générale et pour Paris plus largement. Alors quels sont les grands événements justement que vous avez accueillis en 2012? Alors d'abord, les grands événements, vous avez le Mondial d'automobile qui rythme les années paires, vous avez le salon Equipotel qui rythme également les années paires, vous avez le CIAL qui est le salon international de l'alimentaire qui soutient également les années paires, comme le salon de l'emballage, comme le salon, comme d'autres événements. Plus quelques congrès tournants qui tournent à travers l'Europe ou le monde, que nous avons également accueillis sur 2012, notamment la CIGRE. Et vos perspectives pour 2013? 2013 sera une année... plus dur, beaucoup plus dur. D'abord, c'est une année impaire, mais quand bien même comparativement à 2011, plus difficile parce que la conjoncture est difficile. C'est pas que le média salon est considéré par les exposants comme un média difficile, parce que globalement tout le monde considère et s'accorde à dire que c'est là où on fait du business. Par contre, globalement, les budgets baissent, donc ils sont présents, mais de façon beaucoup plus réduite. Alors comment Viparis s'y prend-il pour fidéliser ses clientèles et les connaître toujours plus? D'abord, quand on s'est créé Viparis, on a considéré que derrière Viparis, il y avait un don. Le don, c'est de mieux accueillir la totalité de nos clientèles. On a développé ce qu'on appelle le pack accueil, qui est un système automatique qui se déploie gracieusement pour toutes les manifestations qui accueillent plus de 25 000 visiteurs et 5 000 étrangers. Et ce pack, c'est de la cinétique dans l'aéroport, c'est des navettes gratuites pour nous amener dans le lieu de congrès exposition, c'est de la conciergerie et c'est la même chose dans les gares. Alors justement, d'après vous, quelles sont les innovations à mettre en place pour que la destination Paris-Île-de-France reste compétitive par rapport à ses villes concurrentes? Alors d'abord, il y a un premier point. Avant de parler d'innovation à mettre en œuvre, il faut déjà bien entretenir ce qui fait aujourd'hui notre force. La première chose, c'est de continuer à investir sur les lieux. Et ça, c'est déjà le premier point. Donc garder l'existant et l'améliorer. Ensuite, le deuxième sujet, c'est ce que nous avons fait. Bon, il y a des nouvelles technos qui arrivent, qui sont déjà depuis quelques temps. Le Wi-Fi, ça se développe de façon colossale. Donc, il faut continuer à réinvestir sur toutes les infrastructures permettant de faire en sorte que le Wi-Fi soit accessible, voire même gratuit, sur nos différents lieux. Ça, c'est le deuxième. Puis, il y a un troisième sujet qui est très important pour nous, c'est le transport. Il faut savoir que le temps de visite d'un congressiste ou surtout également d'un visiteur d'un salon intègre le temps de transport. Et toute amélioration du temps de transport, c'est mécaniquement pour nous une amélioration de l'attractivité. Eh bien, merci Monsieur Ahmed pour votre accueil. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.